Je vous dis, c'est un plaisir pour nous capables de présenter tout le monde. Ça nous relève le rapport d'étape que le système national de gestion des désastres a présenté dans le cadre de gestion réponse à la catastrophe 14 août qui passait dernier et tempête tropicale et Grèce qui passait tout de suite après. Donc, je vous dis, le rapport d'étape, ça, je vous aime préciser d'abord pour tout le monde. Le rapport d'étape là, c'est un rapport côté que nous avons expliqué que pour Kounia là, nous finissons avec la première phase de réponse d'urgence, qui est la phase recherche avec sauvetage, donc première réponse. Là. Et là, Kounia, nous passons en période, ça n'est pas une période intermédiaire, une période entre deux actions. Action que nous avons fait, qui était la première action de secours là, et action qui pourrait faire la prochaine action, qui pourrait être action de relèvement et de reconstruction. Donc là, pour le moment, nous avons mis en deux phases à et protection civile a présenté bilan et non seulement bilan catastrophe là mais bilan tout action que nous menons et tout ça que nous faisons. C'est ici là que nous connaissons dernier chiffre et chiffre qui m'a dit qui dernier chiffre qui final c'est que nous c'est malheureusement 2248 monde qui mourit. Nous gagnons 12763 monde qui blessé, 329 monde qui jusqu'à présent porté disparu. OK dans trois départements affectés mais quand même faut nous signaler que dans le département nord-ouest il y a deux personnes qui mourent dans le bassin bleu. Nous, il faut nous dire que la catastrophe a impacté directement 690 000 personnes, ce qui représente à peu près 40% de la population Grand-Anse, NIP avec Sud ensemble. Et dans trois départements, que nous avons parlé là, nous avons 83 000 cailles qui sont endommagées okay? Et nous avons 53 000 cailles qui sont détruites. C'est ça, malheureusement, arrivé avec pratiquement 5 ans après le passage ouragan Mathieu que nous changeons en 2016, qui était fait un pile dégâts et pour lequel nous avons déjà travaillé un pile pour nous capables de corriger ou bien récupérer et institutions avec et côté qui était impacté. Mais justement, là, nous avons un pile dans le secteur qui a œuvré dans le département de prend un pile dégâts. Donc, c'est dans ce sens ça que nous avons pile l'hôpital, centre de santé, établissement l'école, ok, établissement l'école publique avec privé, nous avons pont, nous avons l'autre installation qui endommagée et qui prend frappe dans le cadre et tremblement de terre. Faut que nous disions que immédiatement que le tremblement de terre a fini de passer et que nous avons confirmation de ça arrivé, le système national de gestion des désastres avec protection civile mettait campé et justement nous déployer volontaires nous dans tout justement différents départements. Nous avons volontaires qui sortent dans l'autre département pour venir. Pour une baie renfort et encore m'a profité pour me capable vous un gros coup de chapeau bah tout le monde ça qui mettait main et qui fait travail colossal de accompagnement de population dans moment difficile là. Il faut nous dire tout que en pile en partenaire ça n'est les partenaires qui c'est des institutions étrangères locales mais aussi étrangères qui travaillent avec nous tout est levé campé pour yoter travailler ensemble avec nous pour déployer sous terrain. Depuis ces islam fin passé là nous gagnons plusieurs centaines de tonnes de produits alimentaires et de produits non alimentaires qui acheminé par voie routière, par la route, par la mer et par hélicoptère, justement dans la zone touchée. À date, à jeudi à 9 septembre, nous avons dit que nous avons à peu près une vingtaine de convois pour à peu près un total de 190 machines. Parmi là-dedans, il y a 131 camions, okay, on avec citaine plus et on citaine fuel, qui partit à partir de Kounan pour justement aller en appui à trois départements qui étaient affectés. Et nous avons dit que une quarantaine d'institutions qui travaillent ensemble avec nous utilisaient mes moyens. Ce n'est pas nous-mêmes seulement qui voulons aller, c'est tout le monde qui peut décoller, mettre ensemble, venir chiter dans le coin, voir qui ça gagne et venir mettre vos ressources à disposition pour nous faire travailler ça. Donc, j'ai dit tout à l'heure, une quarantaine d'institutions qui participaient avec nous au total pour faire opération ça. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons dit que nous avons 70 000 familles qui recevront une assistance et par rapport à besoin d'aide urgent que vous avez. Donc là, pour le moment, besoin d'aide et d'assistance urgente qui est identifié et qui l'a toujours, c'est logement temporaire. Donc, ici, il y a un moyen pour capable protéger tête de soleil avec le soleil et de la pluie. OK, bio soins de santé, OK, et bien entendu, en incluant tout, ça n'est le suivi post-opératoire, les gens qui étaient blessés, qui étaient recevoir soins spécialisés à l'hôpital, donc il faut être capable de bio suivi pour capable continuer et avancer. Bien entendu, de l'eau avec manger et ton nécessité, et justement, mais nous adresser de l'eau avec manger à une échelle quand même qui est assez importante. Donc là nous avons priorisé sans les besoins en termes de logement temporaire par rapport à la population qui est affectée. Nous avons insisté pour ne pas encourager et pas veler sans les camps d'hébergement
pour moun déplacé internaux on passe pour ne pas commettre même erreur nous te fait en 2018 gagner des côtés que nous ouais certains dans ça l'idée à la connait assez adresser de manière prioritaire pour nous ca permettre moun yo retourner dans une situation pour yo retourner dans habitat naturel yo en façon pour nous capable aider yo puis bien et assister yo par rapport à besoin direct que yo gagne. En même temps, nous avons, pendant qu'on a parlé de ça là tout, nous avons des partenaires nationaux avec internationaux qui ont continué et qui ont mis vitesse dans l'action-réponse que nous avons fait ensemble, particulièrement dans les zones qui sont difficiles d'accès, les zones qui sont enclavées. Donc là, il y a toute une stratégie qui a développé pour certaines zones qui peuvent et joindre ça pour joindre. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas rien du tout, vous jouez, mais vous pouvez joindre assez ou bien vous pouvez joindre toute sa population besoin. En façon pour justement nous capables de ranger comme nous voulons, parce que je rappelle tout le monde que la saison cyclonique n'est pas encore finie, il y a encore un coup, et il faut que nous, j'en dis, dès qu'on résout le problème de base, et pour nous préparer au cas où, si nous n'avons pas le cas, on l'autre situation du genre ça représenter encore. Bien entendu, je suis capable de dire que ce qui est important, je ne veux dire, c'est le travail qui fait là, qui abat déjà, mais le travail qui était pour faire, le travail que nous avons continué à avancer avec partenaires, avec système national là, donc nous allons continuer travail spécifiquement dans affaire opération réponse humanitaire. Ça veut dire que ça veut dire que là pour le moment, même lorsque nous parlons de rapport d'étape, nous parlons de fin de recherche et sauvetage, opération et action humanitaire, yo pas fini. Nous allons continuer bataille et faire tout ça capable pour nous continuer à cheminer bien que nous gagnions pour assistance population hein, et organiser nous pour que distribution continue à faire selon le protocole qui est établi et selon les moyens que nous-mêmes nous connaissons, que nous connaissons, que nous habituons faire, pour nous capables de bien une certaine efficacité. La question appui avec support, il faut nous dire que nous avons beaucoup de chapeau spécifiquement par rapport à la solidarité entre Haïtiens que nous constatons pendant des assas. Il y a plusieurs, et une première bagarre qui a dit qu'il frappait nous, qui a dit ça, dans tout le système national de gestion des assas, son coup de chapeau par rapport à la solidarité inter-haïtienne. Il y a un département, il y a des zones, par exemple, après Koto, Roseau, Rochabato, qui ont même levé, ils ont pris un bateau, ils ont pris vivre avec provision, ils ont mené par les zones qui peuvent affecter les îles Caïmites. Et ça, c'est un geste qui, pour moi-même, c'est un geste qui est plus extraordinaire dans le moment de ça, côté que Haïtien a supporté frère par les Haïtiens. Pour nous saluer tout, en gros collaboration que nous recevons de AGRK, qui c'est justement l'institution qui a géré. Relations nous-mêmes, protection civile avec secteur et société civile là, et secteur privé. Il faut nous saluer tout avec un gros coup de chapeau, support que société civile là, et secteur privé n'ont pas manqué. Nous, toutes les grandes entreprises ont manifesté tête, ils ont tout protocolé, ils ont appui direct par la protection civile, ils ont appui direct pour réponse à séisme. Et encore, je nous dis, nous disons tout un gros merci. Protection civile lui-même directement à date recevoir 3 millions de gouttes pour capable faire fonctionnement. Cette opération d'urgence nationale là et cette opération d'urgence départementale pendant la phase d'urgence là. Et nous continuons à travailler avec justement toutes les instances là, en façon pour nous capables de suivre que l'appui que nous avons là, nous avons. Je salue particulièrement le Premier ministre Ariel Henry qui s'est donné à fond dès les premières minutes de ce désastre. On était en conversation. Il a convoqué le gouvernement pour mobiliser le centre d'opération d'urgence nationale. Je salue particulièrement aussi le ministre des Affaires étrangères qui était sur place lors du tremblement de terre et qui quand même a su mobiliser nos amis de l'international pour coordonner une partie de ce qui devait nous arriver comme aide et support. Le ministre des TPDC a été extraordinaire. Grâce à une collaboration entre son ministère et mon ministère, il avait déjà mobilisé depuis la veille des équipes pour travailler sur le tronçon portant de Hogan Mortissant Fontamara. Il devait travailler ce samedi matin quand on a eu le tremblement de terre. L'équipe s'est redéployée pour descendre dans le sud et assister nos frères en difficulté sur le terrain. Ils étaient accompagnés d'une trentaine, quarantaine de personnes, de troupes des forces armées d'Haïti, et ils ont fait un travail extraordinaire qui a permis de sauver près de 200 personnes dans le sud et une centaine de personnes dans les deux autres départements. Je salue aussi l'engagement de tous les réseaux volontaires, notamment les sapeurs-pompiers, les scouts, les volontaires de la Croix-Rouge et ceux que je connais le mieux en raison de mon rôle au niveau du système national de gestion de risques et des désastres,
en tant que ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales du réseau des volontaires de la protection civile. Vous les avez vus en action, malgré les moyens limités dont ils disposent, les brigadiers et brigadiers déployés sur le terrain de la catastrophe, les membres des comités départementaux, communaux et locaux qui se sont arrangés pour activer leur centre d'opération d'urgence, même en plein air. Le nombre d'interventions qu'ils ont menées et les rapports qui nous sont parvenus montrent combien le système national a grandi du point de vue opérationnel. Nous n'allons pas comparer trop facilement ce tremblement de terre à celui du 12 janvier 2010, loin de là. Mais les premières observations ont mis en avant un certain nombre de progrès, mais aussi des chantiers à renforcer vers la construction d'une société plus résiliente. Au nom du gouvernement, mobilisé depuis la confirmation des premiers dégâts causés par ce séisme, je tiens aussi à remercier la communauté internationale qui s'est debout à nos côtés. Toute cette aide, qu'elle soit multilatérale ou bilatérale, nous a permis et nous permet encore d'assister les communautés affectées de répondre à leurs besoins humanitaires de base. Nous allons maintenant mettre des bouchées d'eau pour le rétablissement au niveau des zones touchées.